Pour réaliser des fonds de tarte sans cuisson, on utilise ce procédé à base de biscuits pour réaliser des cheesecakes par exemple. Je commence par broyer mes biscuits secs. Des petits beurres nantais, des spéculoos, des biscuits de Reims, à vous de choisir le type de biscuit que vous voulez. Je vais maintenant les piler pour les réduire en poudre. Réalisez aussi cette opération dans un petit robot. Je fais fondre mon beurre dans une petite casserole ou au micro-ondes. Je verse ensuite mon beurre fondu sur mes biscuits. Je mélange convenablement pour réaliser une pâte. Et c'est le beurre en refroidissant qui va donner la cohésion à ce fond de tarte. Je tasse maintenant ce fond de tarte dans des cercles ou dans des verrines. Pour tasser, je peux utiliser un petit flacon recouvert de film alimentaire. Mes fonds de tarte ainsi réalisés. Je n'ai plus qu'à garnir avec une mousse par exemple. Je laisse prendre au frigo. Je peux ensuite délicatement retirer mon cercle et obtenir un fond de tarte bien net. Vous avez le choix entre pulvériser finement comme une farine les biscuits ou alors les laisser légèrement grumeleux pour obtenir encore quelques morceaux.